Allez, bonjour à tous, c'est Vincent, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment installer Rise Minimap ainsi qu'Optifine pour Minecraft 1.6.2 sur Mac. Alors, quelques prérequis, vous devrez avoir vu ma vidéo sur comment installer Optifine puisqu'on va se servir de l'installation d'Optifine pour installer Rise Minimap. Puis en fait c'est tout. Alors, vous allez aller dans la description et il y aura le lien de téléchargement de Rise Minimap. Vous allez donc atterrir sur cette page et en descendant, on va trouver Rise Minimap pour Minecraft 1.6.2. Hop. Voilà, on va le télécharger tout bêtement. Donc j'ai avant installé Optifine hein, pour pouvoir faire la vidéo, même si je vous avoue que je ne l'installe pas personnellement parce que ça me fait laguer. Alors je sais peut-être pas de... Peut-être pas l'installer comme il faut, enfin peut-être pas le configurer comme il faut, mais bon. Bref, passons. Donc, hop, on a notre petit dossier de Rise Minimap qui vient de se télécharger, qui est sous le nom de 1, pour une raison absolument inconnue. On va donc se rendre dans l'application support Minecraft, version, et dans la version d'Optifine, vous allez ouvrir tout bêtement le Minecraft avec l'utilitaire d'archive, le Minecraft, enfin le 1.6.2 OF, Banjar. Avec utilitaire d'archives comme ceci. Il est possible, parce que j'ai eu le problème dans les commentaires, que lorsque vous désarchivez, ça vous donne un point zip, et que lorsque vous voulez ouvrir le point zip, ça vous redonne un point jar, donc vous tournez en boucle. Dans ces cas-là, il faudra compresser le point jar pour que ça vous donne un point zip, et en le dézippant, normalement, vous devriez obtenir un dossier. Si ce n'est toujours pas le cas, eh bien, téléchargez un non-archiver, hein, tout simplement, sur le net. Hop, donc on va pouvoir virer le Minecraft.jar et puis bien tout bêtement on va prendre ce qu'il y a dans notre dossier Rise Minimap, hop, et on va le mettre dans notre dossier de Optifine. On fait remplacer, pouf, on va faire commande A, compresser les 1000 éléments là, hop, donc on descend tout en bas, on a notre archive qui est ici. Hop, on peut virer ce dossier là. On va prendre notre archive, on va la renommer. Hop. 1.6.2 of.jar. Vous faites utiliser jar et à partir de ce moment-là, si tout se passe bien, si on a bien fait la manipulation comme il faut, on peut lancer Minecraft et on aura et Optifine et Rise Minimap. Hop. Déjà Minecraft se lance. Je vais aller sur ma map. Toc. Je sais pas où je vais atterrir. Dans ma maison, super. Et comme vous pouvez le voir, j'ai Rise Minimap. Et si je vais là-dedans, j'ai Optifine qui fonctionne, pas de souci. Donc voilà comment installer Rise Minimap ainsi que Optifine en même temps, puisque on me l'a demandé. Et c'est vrai que si vous installez les deux en suivant mes deux autres tutos, mes tutos précédents, vous ne pourrez n'en choisir qu'un seul, comme ceci, en allant dans Edit Profil, et ici, utiliser soit Optifine, soit Rise Minimap. Vous ne pourrez pas utiliser les deux. Donc voilà, il faudra passer, faire comme je viens de faire pour utiliser les deux. Je précise que je ne sais pas du tout si cette technique fonctionne avec plus de modes que ça, ou avec plusieurs modes, en tout cas. Donc voilà, vous pouvez essayer, si vous souhaitez installer d'autres modes, faire comme ça. Par contre, si vous voulez installer Optifine dans ces modes-là, partez toujours sur la base d'Optifine, puisque c'est le plus compliqué à installer, comme vous le savez si vous avez vu ma vidéo sur Optifine. Enfin, il s'installe pas comme les autres, en fait. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Je suis toujours joignable par Skype, Twitter et tous les moyens qui sont dans la description pour si vous avez un quelconque souci. Et puis sur ce, on se retrouve pour une autre vidéo qui je ne sais pas encore ce que ce sera. C'est pas français ce que je viens de dire, mais vous avez compris. J'en suis sûr. Et puis voilà, allez, à plus.